Salut tout le monde, on se trouve pour un nouvel épisode. On est sur Railway Empire. Dans le dernier épisode, on avait connecté Gold Beach dans l'espoir que San Francisco puisse alimenter Gold Beach. L'inverse, ça va être moins flagrant parce que San Francisco est déjà satisfait grâce à Shasta. Et on s'est arrêté sur la construction d'usine. J'ai réfléchi un instant. Je me suis dit qu'une distillerie c'était pas utile parce qu'il y avait Sacramento juste à côté. Une fromagerie c'était pas. Après, il faut que je prenne un truc qui a des matériaux à proximité. Il y a du bois, on a déjà des planches là-haut. J'avais deux options. Soit on transforme un truc qui vient d'une autre ville, ce qui peut présenter un intérêt. D'autant que je ne vois pas où est-ce qu'on transforme le. Ah bah là justement. D'accord. Donc j'en ai pas besoin. Donc on va faire une usine de papier parce qu'on a du bois qui vient sans être trop saturé en bois. Et que ça sert aux villes de plus de 100 000 habitants. C'est-à-dire pour l'instant que Sacramento, si je dis pas de bêtises, mais à force plus de monde. Donc pour l'instant je garde l'usine petite pour satisfaire la demande de Sacramento. D'ailleurs ça va pas être complètement satisfait. Et après, on verra. Alors, matériaux fonctionnels, je ne suis même pas étonné d'avoir oublié ça. Hop. Sur cette ligne, on a un premier San Francisco Cold Beach. On va en faire un autre. Pour être sûr que la ville la plus en retard du coup soit bien alimentée. On va continuer à espérer que Kingman grossissent. Ils vont pas avoir de sucre. Des vêtements, ils vont les faire eux-mêmes quand ils auront 40 000 citoyens. Ça va être un peu long. Ah, San Francisco a évolué. Ok. Je peux faire un nouveau truc. On a déjà une fromagerie. On pourrait faire leur propre alcool. Mais c'est pas vraiment utile dans la mesure où Los Angeles et Sacramento en font déjà. On pourrait faire tailleur et envoyer leurs vêtements à Los Angeles à partir de la production de Sacramento. Sacramento qui est quand même assez loin du coton, qui doit pas avoir une production de fou. Est-ce qu'ils auraient plus intéressant que ça? Industrie laverne, non. Brasserie, non. Le blé est assez loin. Usine de tissage. Ça se défend. Puisque aussi ils sont connectés à l'entrepôt 2. Mais ça me paraît moins bien que tailleur. Ils n'ont pas de bois. Distillerie, ils en ont déjà une. Ils n'ont pas de bois. Ouais, donc on va rester sur tailleur. Alors, il faudrait que je débloque un petit truc. Après, on aura notre dernière locomotive de la ligne. Matériaux fonctionnels manquants. Je vais t'en mettre sur le trajet. C'est vrai que tu as un long trajet à faire. Alors, Kingman, ça augmente bien. San Diego, je crois que c'est elle qui ne va pas évoluer. Parce que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 villes. Il m'en faut 8 qui passent à des scores à 80 000 habitants. Ce qui est un peu énorme. Los Angeles, elle est bien partie. Sur l'alcool, elle suit le rythme. Je crois qu'elle n'en a pas encore besoin elle-même. 65 000. Mais ça va finir par arriver. Ah, il y a déjà une belle production. La viande, on manque de matière première. Los Angeles a évolué. Donc, je peux construire une université. L'éducation est importante. Et vous avez Super, maintenant c'est une cloche veillé à ce orange. que la ville dispose d'une université. Ici, on a un musée. La ville va monter d'ici peu. Elle produit bien assez de bière pour alimenter Los Angeles et d'autres. Ah, mais Los Angeles manque de bière. Donc c'est un problème d'acheminement. Los Angeles Body. Body Los Angeles. On va partir de Body plutôt. Hop.
Il y en a un qui arrive. Ouais. On n'a pas dû manquer de bière pendant longtemps. Ok, Sacramento. L'usine de coton est en manque de matières premières. À peu près continue. Le problème, c'est que j'ai déjà à peu près saturé cette ligne. Oh, c'est trop loin ça. À l'entrepôt, il y a du coton. Il y a énormément de coton. C'est vraiment un souci entre l'entrepôt et Sacramento, qui était probablement en partie dû au fait qu'ils devaient partager leur ligne. Maintenant, ils sont tranquilles. Même s'ils sont à 107 utilisations de la voie. Ah, ce qui ne me pose pas de soucis pour faire un truc comme ça. Et dire à certains Gugus, à Sacramento, vous descendez voie 3. Toi aussi, Vous avez fait le bonheur de nombreuses personnes. En d'autres termes, vous avez livré beaucoup d'alcool. et voilà. 53, 53. On va leur imposer la voie. Au cas où je fasse je sais pas quoi et ça change. Voie 2. Sacramento. Voie 2. On va en ajouter un. Ah, sachant qu'au dépôt, j'ai quand même de la pression pour avoir la place. Pression augmentée du fait que il y en a d'autres qui squattent la voie. 144. Waouh. Ah non, c'est vos deux voies différentes. Oh là là. Ah, je peux pas augmenter plus. De toute façon, c'est l'entrepôt qui va peiner après. Ou alors je me divise et je vais squatter la voie de quelqu'un d'autre. Elles sont toutes relativement utilisées quand même. On va rester à 4 wagons, 4 trains, c'est déjà pas mal. Audi a passé le stade que je souhaitais qu'ils atteignent. En manque de matériaux. C'est pas terriblement malin de le mettre là. On va le mettre après, comme c'est parce qu'ils ont leur propre tour d'assemblage plus loin. Je préfère éviter que ça bouchonne dans les voies très utilisées. On peut pas sûrement pas sur des gros chiffres, mais 7%. Alors, Kingman, ça décolle. Pour l'instant, ça décolle fort. Los Angeles, ça n'augmente plus beaucoup. Vêtements, planches, alcool, est-ce qu'ils consomment leur propre alcool? Non, pas encore. Légumes, ah, il leur manque pas mal de choses. Il leur manque du blé aussi. Pourtant, ils doivent bien avoir type qui va leur chercher du blé. Donc, il me reste 4 des villes à faire grandir. Est-ce que ça sera à dépasser? Pas encore. La bonne nouvelle, c'est qu'ils m'ont l'air sur le bon chemin pour dépasser. Ils peuvent recevoir de l'alcool, ils peuvent recevoir du fromage, ils peuvent recevoir du lait. Le lait, il n'est pas bien placé. En revanche, fromage et alcool, ça devrait aller. Fromage, on consomme tout ce qu'on peut. Et on manque d'alimentation sur cette ligne-là. Mais c'est pareil, je vais avoir du mal à faire mieux. Je peux peut-être ajouter un train. Mais ils vont se bloquer le passage les uns les autres. Gold Beach. Ils ont été fournis en viande et ils en sont bien contents. Ils peuvent être fournis en sucre quand ils sont nettement plus gros. Los Angeles, ça va monter tranquillement, je l'espère.
Bon, disons passer le seuil. Ça grimpe, ça grimpe. Tant mieux. Je leur ferai du. Utiliser leur coton dès que possible. Et il leur faudra une connexion avec Los Angeles pour aller leur apporter du tissu. Body, il doit pas avoir d'acheminement de tissu, en effet. Los Angeles non plus, et c'est un des trucs dont ils ont besoin. Je pourrais aussi virer l'université vers un autre bâtiment qui permet d'augmenter le contentement des citoyens. Carlson City, ils ont passé le stade. Sacha, ils en sont vraiment pas loin. Ils ont tellement de planches, Sacha. Faut qu'ils arrivent à les écouler. Là, on sature en planches aussi ou pas? Un peu, ouais. Falloir leur faire faire de l'ameublement sinon. Ça, après, ils enverront des meubles. J'ai viré une tour d'assemblage à un endroit qu'il fallait pas. Je leur en remets une dans le doute. Ah, j'ai une ville qui a grandi. Gold Beach, super. Continuer comme ça. Maïs, il leur faudrait. Est-ce qu'on a du maïs dans le secteur? Non. Même pas du tout. Loin, loin, loin. Quoique, voilà du maïs. Ouais, je me dis que ce serait dommage de ne pas, vu les sous que j'ai, ce serait dommage de ne pas de risquer de louper la partie parce que j'ai pas voulu construire une petite gare pour aller tracter du maïs depuis là-bas. Y en a qui vont être jaloux, hein? Ils en ont pas, ça demande un tunnel, un pont. Ça va, ça va, ça va. Hop. Et on va. Est-ce que je double tout de suite? Pourquoi pas? Voilà, voilà. Nouveau train. Lewis Manoir, Cold Beach. Marchandises. Ah, j'ai un nouveau train. Tout beau, tout neuf. On va en acheter toutes les locomotives de marche. Ça coûte moins cher. Et mieux que l'autre, pourtant. 55. Traction. Ah, il est mieux que l'autre, il coûte moins cher. Oh là. On va en profiter, hein. Hop, deuxième approvisionnement, c'est parti. Avec du maïs en plus, ça devrait monter sans trop de soucis. Surtout qu'ils viennent d'avoir de la viande, si je dis pas de bêtises. Ah, pas sûr. Lui, il ramène quoi? Colline Province, il ramène du blé. La viande, ils sont. Ah, ils sont loin. Alors, Los Angeles. Ils ont pas trop de soucis à se faire. Ils n'ont pas de planches, mais la production de planches est vraiment lointaine. Mais on pourrait leur en faire. Je pourrais utiliser San Diego pour leur faire du fromage ou. Je pourrais utiliser les villes périphériques rien que pour fournir les plus grosses. Ah! Nouvelle usine disponible. Qu'est-ce qu'on va faire?
Vêtements, je le sens pas trop. Ils ont pas de bois. Fromagerie, ils sont pas vraiment bien placés pour. Je sais pas trop quoi leur faire faire. Après, ils sont dans la boucle de par là. Donc, théoriquement, devraient avoir intérêt à avoir leur chaîne de production de vêtements. Pour ça, faut qu'ils reçoivent des trucs de Sacramento. Ils sont pas connectés à Sacramento. Il n'y a pas de train qui circule depuis Sacramento. Outilleur, c'est. Oh, outilleur, ce serait très pertinent. Ah, il manque du fer. Il manque du fer. Ce serait très pertinent dans ce coin-là, en tout cas. Là, il y a 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Moyen de faire des outils par là. Ou alors céramique. Oh, céramique. Ah non, outilleur, il faut des planches. Par contre, céramique, ça colle très très bien pour Kingman. Peut-être en troisième entreprise. Ils n'ont pas vraiment de gros flux de planches pour faire de l'ameublement. Personne n'a de bois par là en fait. Je pense que c'est un emplacement qu'on ne va pas utiliser. On va laisser le jeu faire n'importe quoi. Parce que je trouve pas que ce soit utile. Ouais, on a des soucis d'approvisionnement, clairement. Surface à défricher. Oh! J'achète. Ah oui, c'est ce que je me disais. Je me disais, ils ont besoin de planches. Et ben, on va leur faire fabriquer à Yuma. En tirant le bois par là. Après, on pourra connecter à Kingman s'ils ont besoin de planches aussi. Donc, on va faire une petite gare. Une gare tout de suite. Une petite gare pour aller. Ou alors une gare pour tirer les deux à la fois. Hop. On sait jamais, peut-être qu'à un moment je leur demanderai de faire des vêtements. Hop, ouais, bon, c'est raisonnable. Nouveau train. D'abord, il va circuler avec juste du bois. Ensuite, on va acheter une usine. On va la démolir, ce qui coûte des sous, et on va remplacer par une scierie. Et ensuite, quand on aura plein de bois bas, on ira les connecter à Los Angeles. Comment je vais les connecter? S'il n'y a aucune voie dupliquée, par là. Par là. Ouais, je sais pas, c'est pas un très bon plan. Là, il y a plein de voies qui sont qui sont des voies uniques, qui, à mon avis, mériteraient d'être dupliquées en une seule. À partir de. Comment je vais faire ça? L'avantage, c'est qu'ils ont chacun leur ligne pour l'instant. Ah. Alors. Comment on va reconnecter San Diego à tout le reste? On va voir.
sais pas trop comment je vais me dépatouiller. Peut-être que je connecte d'abord ce morceau. Donc on les connecte. On va les connecter au centre. Ensuite, on va s'arranger pour que ce soit du double voie. On rajoute des petits signaux. Ensuite, raccorder. Ah, le truc, c'est que je raccorde plus tard. Bon, c'est trop court, ça. Bah oui. Eh bien. Ah! J'ai pas fait sauter le bon. Ok, attends. Tour d'assemblage. Hop, pour pas en péter trop. Et on refait cette intersection. Donc. Le truc de base, ce serait comme ça. Ensuite, il faut que j'ai une branche qui aille là-bas. En longeant ça à ce niveau-là. On est bon. À ce niveau-là. Ça c'est bien. Je me suis pas réservé à cette place. Ah, c'était bon. Ok. Nickel. On va virer celle-là. Signor. Ici, on impose le sens. Là, ça, la voie de droite, c'est une voie toute seule. Voilà. De ce côté-là, on a deux sorties. C'est très acceptable. On va collecter l'une d'entre elles. Demain sur l'autre ou tunnel trop cher. Voilà, on est pas mal. Et maintenant, je peux mettre du Yuma Los Angeles avec un train marchandise et une priorité. Sur les planches. Je pense pas qu'on ait de planches pour l'instant. C'est ça. Le train de bois n'est pas encore arrivé. Oh là là. Donc du coup maintenant, San Diego Los Angeles il passe là, Yuma Los Angeles il passe là. Ce qui fait une petite section qu'on va quand même dupliquer au cas où. Juste l'espace pour glisser un train. En fait, on peut faire un poil plus large. Alors, hop, comme ça. Signaux. Hop, comme ça, ils ont quand même l'espace qu'il faut pour s'attendre l'un l'autre juste sur cette section-là. Ok. San Diego Los Angeles, c'est une voie rapide. Pas grand monde qui veut aller à San Diego. Je suis pas très surpris. On va mettre une tour d'assemblage à la sortie du tunnel. Là, ils ont passé le cap, donc il doit m'en rester 3 des villes à faire grandir. C'est ça. Et il s'agit de Los Angeles, ça va être relativement facile. Kingston, ils viennent de grandir et ils peuvent faire du tissu, ça c'est génial.
Je me demande si je vais pas du coup doubler ce train-là pour être sûr d'avoir un flux en tissu assez important. Je pourrais même le doubler, chacun sa voie. Il est où? Il est là. Ok. Faire un clone. Disant à Winston Lemon, tu utilises l'autre voie. Nickel, on a du coton qui afflue. Ah, sauf que l'autre voie, elle était censée être déjà utilisée. Après, le trafic est pas dingue. Ah, j'ai une voie à zéro par contre. Pas très bien ça. Alors, tour d'assemblage. On va recouper un peu la fin. Oh! Accroche-toi. Voilà. Voilà, et il faut que je les connecte à Los Angeles pour amener leurs vêtements. Pas urgent parce qu'ils vont pas en avoir tout de suite, mais plus direct, ça serait de passer par là. Eh bien, on va passer par là. Va falloir squatter une voie qui existe. Non, c'est pas grave. Juste besoin de faire sauter le ciel. Ah, je peux pas réutiliser le pont, du coup. Grave, on a plein de sous, mais bon, pas très optimisé. Alors, où est-ce qu'on va se jeter pour rejoindre la bonne ligne? Ah, peut-être là-haut, tout simplement. Ça fait un grand détour, mais bon. Hop, couper là. Là. On peut les faire venir jusque là. C'est parti. On duplique la voie, soyons fous. On met des signaux. Vous avez l'habitude maintenant. Voilà. Et on ajoute un train. Kingman Los Angeles. Voilà. Qui est censé transporter de préférence le tissu. Rien n'arrête la folle fabrique. Et non, on ne m'arrête plus. J'ai déclaré dans les journaux que bien qu'ils se félicitent de se démarquer de la concurrence, les objectifs qu'ils se sont fixés pour le confort des citoyens sont encore loin d'être atteints. Pourtant, la construction de chemins de fer est une activité très lucrative. Les entreprises ferroviaires permettent de sécuriser les zones autour des voies. Si ces zones sont fortement peuplées, la valeur du terrain augmente alors considérablement. À Chicago, les pompiers ont secouru un homme de 37 ans coincé jusqu'aux hanches dans une bouche d'égout.
L'homme ne se souvient pas de ce qu'il faisait à cet endroit. Je me rappelle de quelqu'un ouvrant une mallette argentée, puis tout est devenu noir. Ah. Un passant libère Gulliver. De plus en plus d'études montrent que les petits animaux, généralement les rongeurs, restent coincés dans les grilles d'égout. À New York, Gulliver, l'écureuil vient d'être sauvé. Un passant a libéré l'animal apeuré et l'a ramené chez lui. Intelligent mais stupide. Washington. On considère que Rick Fraser est l'une des personnes les plus intelligentes de la planète. La société s'appuie sur le nombre de concours qu'il a remportés. Les gens pensent que les personnes intelligentes font des choses intelligentes. Pourtant, je suis un expert en choses stupides. Oh, j'ai 6 millions, moi, ça va pas du tout. Sinon, je vais acheter des entreprises, hein, parce que le réseau de rail est déjà bien performant. Gold Beach, pas besoin de planches pour l'instant. Besoin de viande. On va être obligé d'augmenter le monde sur ce trafic, hein. Je le ferai plus tard quand les trains sont bien partis. Ou alors je vais faire un nouveau train. Ils sont même pas arrivés à la gare encore. Matériaux fonctionnels. Je pense que je l'ai oublié de l'autre côté aussi. Yuma, il a le flux de bois qu'il lui faut. Ah, il a beaucoup de planches, ouais. Yuma, Los Angeles. On va le... Attendez. Yuma, Los Angeles. C'est lui. Non, je touche pas. Il a attendu d'avoir les planches qu'il faut. C'est super. Du coup, il y a du monde pour San Diego. Los Angeles. Suffisamment de quoi augmenter la quantité de produits d'alcool. Il aurait besoin de fromage, de planches, de tissu. Le tissu, ça devrait affluer prochainement. Lui, pour l'instant, il transporte pas ce qu'il faut, mais. Alors, est-ce qu'il y a bien un signal? Oh. J'ai pas fait ce qu'il fallait ici. Soit bien clair, c'est comme ça que ça tourne. Et ça va être... Bon, on va poursuivre un peu, j'ai encore un peu de temps. Mais l'épisode va quand même se finir prochainement. Ici, c'est normal qu'il y ait deux voies séparées. Alcool made in la folle fabrique. Je sais pas si vous aimez le nom, c'est moi qui l'ai trouvé. Pourquoi est-ce que, quitte à avoir... maintenant, hop, je me comprends. Maintenant qu'on est alimenté en tissu, une partie du tissu va bien remonter jusqu'à Body. Et Body va pouvoir utiliser son tissu. Oh yeah! On est bien saturé là. Hop, j'ai bien boosté, on va voir ce que ça donne. Ouais, j'ai deux trains, chacun sur sa voie. Condition assez royale. Même s'il débouche sur la même, c'est vrai. Sur cette ligne. Ah, il y a beaucoup de monde. Ah, et c'est rentable. Je pensais pas. Je pensais pas que c'était The. Oh, la plus faible, elle rapporte 6200. Mon Dieu. On m'aurait dit que c'était The Place to... pour en mettre des trains. J'aurais pas cru. Alors, marchandises, ça tire plus fort. On a plein de. En théorie, je devrais trouver les trajets dans lesquels il y a du dénivelé. Mais en pratique, j'ai plutôt regardé pertinence marchandises et dire hop, on les améliore toutes. Quitte à avoir plein de sous, tant que ça serve. Gold Beach, ça monte doucement, mais assez sûrement quand même. Ah, je sais comment je vais les raccorder. D'abord, on fait un changement comme ça. Parce que vous voyez bien que ici, on va avoir du mal pour tourner. On va se raccrocher.
chez... Eh bien, pourquoi pas... Ici... Alors, à quel endroit? J'ai le droit de manger? Non, j'ai pas le droit de manger. Eh ben, on va faire bouger cette ligne-là, tout simplement. On va pas se casser les pieds. Là, on peut construire celle-là d'abord, pourquoi pas. Ça nous fait quand même beaucoup de ponts, tout ça. Oh, je suis pas du tout satisfait de cette cour, moi. Ok, on va passer là. Un peu moins de bon quand même. On a un petit 12%, c'est raisonnable. Et les autres, ils vont suivre la même trajectoire, sauf à la fin. Ensuite, tour d'assemblage. Ensuite, on a le train qui repart. Vide. Ok, tu n'es pas autorisé à quitter ton emplacement si tu es vide. Ah, et du coup, il a pourri la vie à l'autre. Ok, je vois. On va faire sauter la fin. Je vais remettre une tour d'assemblage de l'autre côté. Hop, j'ai cassé les deux, c'était pas nécessaire. Un signal pour s'arrêter ici. Sinon ça roule. Un signal pour s'arrêter là. Nouveau train. Smith's Domain. Cold Beach. Passe par le bon trajet, c'est bon. Transporte plein de sucre. Maintenant lui il est plus gêné par les voisins. D'ailleurs lui aussi il pourrait ne se déplacer que quand non, en fait non, parce que j'en ai deux sur la ligne, ça va faire des bêtises. Non, en pratique, ils vont s'attendre l'un l'autre, mais je suis pas. Il y en a un qui circule vite. Bon, on va dire qu'il n'y en a qu'un seul. Et puis voilà. Gold Beach, ça monte. Ça montrait plus si on avait le sucre qui arrive et un nombre de la viande en continu. Donc San Francisco Gold Beach, il suit de trop près pour moi. Vu que le trajet est super long, il vaut mieux que les trains soient très éloignés. Donc en fait, on va rajouter Gold Beach. San Francisco, là, il va être bientôt arrivé. Ça, ils sont quasiment à l'opposé l'un de l'autre. On va augmenter le nombre de passagers, je suis pas sûr que ce soit utile, mais... Ah, lui, il serait pas rentable, paraît-il. On va... Ça m'a fait descendre tous les chiffres. Je pense que c'est parce qu'il y a trop d'attentes. Bétail. Parce que ça va être... Il y a moins de monde sur la voie d'à côté. Peut-être qu'on pourrait s'y raccorder. Alors déjà, ce qu'on pourrait faire, c'est raccorder lui ici. Hop. Ensuite, une tour d'assemblage. Même là. Qu'est-ce que tu me chantes? Pas. Lui, hop, pour aller nettement plus loin. J'en ai réinitialisé du coup. Ah, lui, il circule un peu vide. On verra rien. S'il y en a qui circulent vite, ça m'embête. Hein. Je suis curieux, les autres ils sont pleins.
peu près. C'est un peu curieux. Après, c'est pas une ligne que j'ai besoin de booster. 5 sur 8. Niveau plus élevé. Faire une autre usine. J'ai envie de faire une usine d'ameublement. C'est eux qui ont les planches. Ah, et ils ont trop de planches qui n'arrivent pas à écouler. Si je dis pas de bêtises. 42 sur 43. Avec des meubles, ce sera plus facile peut-être d'aller les filer à quelqu'un d'autre. Sachant que les meubles, c'est au-dessus de 115 probablement. Eux, ils ont une demande en meubles. Non, même pas. Pff, qui est plus gros qu'eux? Comment ça se fait que j'ai pu faire une usine de meubles? Oh, San Francisco, elle est passée première! Et c'est San Francisco qui a une demande de meubles. J'imagine que Sacramento va pas tarder à suivre, quoique ils sont pas très très hauts. On va leur faire un musée pour les rendre contents. Hop. Et qu'est-ce qu'il manque? Pas de sucre, il manque du lait, il manque du bois. Bois, ils en ont pas. Lait, ils devraient en avoir. Fruits et légumes, ça manque. Fromage, c'est la ville voisine qui en fait. Fruits et légumes, ça bouchonne. Alors, ce que je pourrais faire, c'est les départager sur deux voies. Ah, je suis pas persuadé que ça présente un intérêt fou, par contre. On va. Aucune marchandise pour ce train n'est disponible. Ah, il a transporté tout le coton. Et bah, d'accord. Je pensais pas avoir besoin de le faire un jour, mais on va lui dire. Pas quitter son province, s'il n'est pas plein. Ce qu'il faut que je booste, c'est surtout Los Angeles. Alors, Los Angeles, ils sont vachement bien partis. Il y a vraiment du monde qui a besoin de fromage par contre. Francisco. Le problème c'est qu'on n'a pas de lait. Oh, plus de lait. Il faudrait avoir plus de monde qui fasse ce trajet là. Ils sont déjà 3. Je sais pas si c'est faisable. De faire mieux. J'aurais tendance à dire que non, malheureusement. Ils ont une voie qui est un peu saturée. On va les observer un peu. 55. Ah ouais. Oh, c'est léger quand même, Carlson City. J'ai pas boosté à fond. Hein. Matériaux fonctionnels manquants. Alors, tour d'assemblage. Hop. Ah, il y en a une pas loin. Bon, c'est pas grave. Carlson City, il faut quand même que ça booste un poil plus. Fruits et légumes, ils sont un peu légers. Ah, la tour d'assemblage est là, ça devrait aller. Ah, eux, ils utilisent la même ligne que eux. Ça, c'est un truc qui me joue probablement des tours. Déjà, on va les passer de 6 à 4. Je peux pas passer là. Pourquoi? Pourquoi, pourquoi, pourquoi? Oups. Ouais, je les raccroche où? Attendez. Ils sont déjà sur leur parcours à eux. Oh là là.
Ouais, donc à la limite, ce que je peux faire, c'est doubler le. Hop, c'est retiré beaucoup plus que ce que je voulais. Alors, je peux les aider en leur mettant un circuit comme ça. Ah, ils disent que je suis qu'à 74 utilisation de la voie. Pratique, il y en a un qui fait la queue dès qu'il y en a un qui arrive. Et le souci pourrait venir de là. Non, c'est qu'il y a moins d'utilisation. Je peux peut-être rajouter encore un train, hein. Il y en a un qui fait entrepôt Sacramento 2. Non, c'est parce que c'est le deuxième qui fait entrepôt Sacramento. Ah, ça me piège, c'est non. Sacramento. 1. Sacramento au niveau plus élevé. Et là, on est arrivé au stade où c'est juste une histoire de quantité. Ils ont de tout. Los Angeles, ils montent tranquillement. Ah, ben ils ont passé le cap. Par contre, Carlson City, il va falloir que ça booste un tout petit poil. Sans quoi, je vais être bien embêté. Personne veut de papier? Pourquoi il y a trop de papier? Oh, ça bouchonne un peu. Gold Beach qui a grandi. On peut faire un nouveau truc. Quoi donc? On peut rien faire avec du maïs, on peut rien faire avec du sucre seul. On peut faire une étape de transformation de quelque chose. Ou alors je leur dis de faire du tissu et je leur fais un amène un flux de tissu depuis là-bas. Ça m'a l'air pas mal. Va faire un flux double. On va pas saturer cette ligne plus que nécessaire. Par où va-t-on passer? Par là, probablement. C'est ouvert comme il faut. Qu'est-ce qui coince là? Ça touche? Non, ça touche pas du tout, mais alors pas du tout. Oh, qu'est-ce qu'il me raconte? Voilà. Sinon. Comment? Sinon, on fait un truc qui passe comme ça et puis on n'en parle plus. On va pas faire un tunnel là quand même. Ça coûte cher en tunnel. On duplique la voie. On met des signaux.
On met une tour d'assemblage. On met un premier train. J'attendrai un peu et j'en mettrai un deuxième. Comme ça, Colbitch aura du tissu. Ils se plaindront pas sur ce point. Ils ont besoin de viande. J'ai déjà mis deux trains sur la ligne. Il y en a un qui attend là. Il attend qui? Pourquoi? Il n'y a rien à attendre. Ah, il est en train de se réapprovisionner. Ah, j'avais décalé et maintenant ils sont plus décalés du tout. On va mettre un troisième. Révision en cours. Ah, ça va embêter le. Ah, il y a un stop ici. Ouais, c'est bien. Je voyais pas le stop, je me disais. Mon Dieu, mais où est-ce qu'il va aller lui? Finalement, j'aurais pu faire deux épisodes. C'est pas très grave. Faut que ça monte un poil ça. Et après, jusqu'à 64, ça va le faire 9 ans pour booster les deux dernières villes. Faut juste que Carlson City, il ait un petit boost en fruits et légumes, par exemple. Le truc, c'est que ça bouchonne beaucoup. Alors, ce bout-là, on va le raccorder comme ça, déjà. Ensuite, là, on a du 28 et là, on a du 177. C'est n'importe quoi. C'est beaucoup trop. Tour d'assemblage. Ensuite, je suis désolé pour le train qui va. Hop, c'est pas ça. Train qui va sauter. On va se raccorder aux deux lignes, faire un zigzag, hop, s'assurer que les signaux sont toujours dans le sens, dans un sens imposé. Voilà. Et maintenant, tout le monde va quand même vouloir passer à la même gare. Et c'est moi que je vais dire, toi, tu t'arrêtes sur la voie 2. Toi, au pif, tu t'arrêtes sur la voie 2. Toi, au pif, tu t'arrêtes à Carlson City sur la voie 2. Et puis, toi. Rin Manoir, San Francisco. Ah. Ah, lui en plus il a besoin de passer par une voie particulière. Alors, au lieu de passer dans la ville, tu vas passer hors de la ville autant que possible. En évitant les usines. En passant en vue de près si possible. Ce qui veut dire qu'il faut que je rajoute une petite section pour passer dans les deux sens. On va faire sauter ce bout-là. Il me faut des signaux. Ça a l'air d'aller. Je vais pas le détruire, je vais juste. Je vais le remettre là. Réimposer bien le sens. Et là, imposez-moi le sens aussi. Ok. Ça va nous faire un gars de moins pour arriver sur cette ligne-là.
5 et 4, c'est beaucoup plus raisonnable. Même s'il y a encore un grand trafic. 9 trains qui utilisent ces deux voies-là. Ça fait que celui-là devrait pouvoir arriver. Si la ville est alimentée plus de façon plus efficace, ça devrait permettre d'avoir les quelques habitants qu'il me manque. Dans le doute, je vais quand même sauvegarder la partie. Au cas où ça passe pas et qu'il faille faire plus de choses, que je puisse revenir un an en arrière plutôt que 10. Et on va en profiter pour s'arrêter. J'espère que ça vous a plu et on se trouve bientôt pour un prochain épisode.